Apikli solo et sengo mingi ya kokuta na bino mercredi ya lelo na cadre ya émission yé émission autonomie la cabine ba sujet ya ndenge na ndenge na ngolo lelo tozo lobela bongo réalité et environnement na ville ya Kinshasa na entreprise BCM consulting na ngo na zanga mukote na plateau yé pona ko lobela entreprise BCM consulting to réalité et environnement na commune na ville ya Kinshasa na yambili bino. Moi, un beau mot qu'on a repris, ça m'a dit, mon quoi, que c'est présenté, Aïe Salino, ce qui compte, et puis Azali Nani. Bonjour, papa Julien. Bonjour, madame Nathalie. Malheureusement, moi, présentation, mon quai, madame Balandi, Baye, va, Kumbuna, et puis Ozanani. Ok, merci beaucoup. Nga, Kumbuna, monsieur Israël Kalala Junior, Naza, ingénieur en bâtiment et travaux publics, et puis on a. Dans la profession et entrepreneur comme manager et entreprise BCM Consulting de Evraka, la ville de Kinshasa et puis Ndigno sur le Mboka et République démocratique du Congo. Merci mon Mboka, je suis Israël Kalala. Tout ce que nous avons environnement dans la ville de Kinshasa et puis tout le côté de la solo et entreprise dans la ville de BCM Consulting. Comment définir d'abord l'environnement? Oui, l'environnement, c'est surtout qui peut définir en gros na momoro ya mokuse, le César, et ça, il y a toutes les conditions où ils sont liés na bien-être ya être humain. Toutes ces conditions, c'est l'environnement où ils ont ça la kemoto abika, na sika moro ya kimia pe ya bopeto. Important, c'est l'environnement, et ça, ni na vie ya moto. Oui, oui, important, c'est l'environnement, plus César, et que. Tellement moutou, il faut vivre dans la condition à malamou, à la santé à malamou, ils ont aussi appelé dans milliers où il y a Zali, la condition à la réunir pour que à la malamou. Donc c'est ça vraiment juste. Et puis, bisou à côté de bisou, il y a génie civil, ce qui te dit le plus l'environnement, tu le par rapport à des problèmes liés à l'assainissement et puis à l'aménagement, il y a ville, il y a Kinshasa. Moi, en boucle, j'ignore Israël quand la réalité autour qui m'oule bête, bah inondation par-ci par-là. On a dit ce que les alarmes retournent à tes comment retournent à éviter vraiment problème. Il y a un mot et ça réellement ni oui, oui, c'est un problème vraiment. Oui, ils ont ça la bisonnière, c'est tout passé parce que n'a pas né à cala. Ils alarment bongoté, mais au fil du temps, il y a que ville et à quoi croître et bah immeuble les autres en maca du nuit au lendemain. Toujours comprendre que le problème on est a toujours de plus en plus grave et ça et là ils ont revenir et pas n'abîso va technicien ils ont revenir et pas n'abîso pour n'en relouquer qu'on soumettre disons qu'on proposer va problème va résolution d'un problème on les a qu'on s'est posé et plus toujours constater que ça bah ouvrage n'abîso y a bas assainissement bah qu'à niveau tout bengaka bah nous sommes bien bah collecteur tout ça bah ouvrage d'assainissement bah dimension en gros et comme mukié zo koka esus ko contenir maï oyo population azo bimisa na nzelate donc na maï population bimisa ratoara na bah bien en gros bah mingi bah eau de ruissellement ils a dit par rapport y a quantité y a bateau bah zo bika na environnement wana. Et puis, il y a un des plus de raisons qui permettent de quantifier, de dimensionner la grandeur et ouvrage et assainissement. Oui, ça va que Maï est allé évacuer. Autrement, non seulement la dimension, wana, et ce qui nous arrive de fois aussi, c'est la dimension peut être grande. Mais au moment où on s'est tondu, on a des déchets solides. Ce qui l'état au Canada tout ça au Canada quoi évacuer quoi entretenir oh tout ça n'a monté et vous avez la biso pas si il y a quoi agrandir bah dimension et ouvrage na biso moi en boucle je vais vous dire comment faire des minutes pour que ça là pour protéger environnement la ville à Kinshasa. Ok. Yaliboso, avant de commencer à relouka, que ça là, couper sa solution, c'est un peu définitive par rapport à Yambo, quand on est à croître, de préférence qu'on va nous entretenir au Tozanango. Ça là, pas si ma casse, au Mona,
tant que bazo tonga nzela nzela ngokutuna ne silité o eza censé ezwa mai ya ba quartier wana ya ba venue wana ikende uboka ngone exitoire mo quelque part na nokute silité déjà ba ouvrage d'assainissement ba kanivango ese etondi. Donc l'homme congolais azana nous tous les batailles azoi ba valeur ya ouvrage wana ya kanivo wana azoi ba ngote sou ezanine biso na terme na biso to benga ngo ce sont des ouvrages d'art. Même la route elle-même, a un ouvrage d'art, et là ici, et là, on peut sa beauté en boca. Donc, ce qui est un peu de banzela na bino, un caniveau na bino, et ça, c'est que nzela est à la kitoko, bazo sepela na mboka na bino, bazo mona mboka na bino kitoko. Mais comme on a déjà, tant que les gens ont un caniveau en bois qui est un déchet solide, un sachet, une bouteille en plastique. Ma belo ba évacuer ba curer, il y a des gens qui balayent même la route car abato baza censé à ça la commettre propriété na route bazo kombola bazo boire ma belo wana na kati ba caniveau. Et je me pose de questions, on se dit est-ce que bazo yé ba valeur y a loko bazo ça là et puis bazo ba danger bazo parcourir après parce que tant mou le robé tabaroloba mokonza mboka tel abiso likambo mais tant ou bango baza est-ce que vous avez la responsabilité ou pas la banque. Donc on doit d'abord commencer par entretenir l'ouvrage ou tout ça pour évacuer et ça régulièrement. S'il faut, l'État peut mettre un budget et puis des organisations de suivi. Pas ce qui s'est fait sur la route là, au Tomonaka, Baye, Balongoli, Batikango, Batikango Mupandi, et Betty des semaines, wana, après le même saleté, et Zongi Nango Lissousou, Baoya Ozongawana, peut-être une année ou six mois, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Ceux qui l'État peuvent mettre un budget, dans la municipalité, donc dans le quartier, dans la commune, qui est vraiment de service au bazar à budget moko vraiment et puis des agents engagés par rapport à cela et puis n'a suivi moko ezolanda bango chaque fois que ba ouvrage est à la propre et ça fera que environnement na biso est à la quand même propre déjà au départ qu'il n'y ait pas ba mai ou ekostanyaka parce que ba mai était le marawana yango mtebota ka ba maladie au mona production ba moustique et comme ça la ke ba comme ozwa ba maladie ba malaria. Et tu verras que nous, on a eu déjà à vivre dans la condition moko ya bongo, bananiki, bazo belaka chaque moment parce que l'environnement n'était pas sain. Donc, surtout, ba mayu était les marawana, des arabakos, y a ba maladie, ou ça la que Congolais à vivre dans la condition, y a malamote. Merci, Mamouka Israël, Junior Kalala. Tu sais, il y a beaucoup de bandes qui ont réagi, mais il y a beaucoup de bandes qui ont réagi, image moke ya. Il y a papa junior et puis ceux qui sont entrepreneurs, qui sont entreprises, qui sont en construction. Mais quand vous avez un peu de temps, il y a une entreprise qui est en train de se développer. Un bureau d'études modernes spécialisé dans les domaines des génies civils, dans les études topographiques et la conception architecturale qui va de la conception des projets jusqu'à la réalisation. BCM Consulting, c'est la qualité assurée grâce surtout aux capacités avérées de son manager Israël Junior Kalala, un jeune entrepreneur congolais de renom. Celui-ci met en outre son expertise dans la réalisation et dans la correction des projets, une expertise sans faille dans les secteurs immobiliers. Nous sommes une entreprise de construction et un bureau d'études. Chez nous, nous commençons par la conception de projets jusqu'à la réalisation complète et à la remise de l'ouvrage. La conception, nous faisons presque plusieurs études qui sont liées dans les domaines des génies civils. Commençons par les études géotechniques. Ce sont des études qui permettent à déterminer la capacité portante du sol pour arriver à stabiliser l'ouvrage, le bâtiment qu'on va construire. Nous faisons aussi des études topographiques qui permettent de faire les études routières, des études d'aménagement et plusieurs sortes d'études. Et aussi, nous faisons la conception architecturale. Là, nous faisons des plans, des designs de maisons, de bâtiments. Et nous ne nous limitons pas là seulement, nous continuons aussi à faire la réalisation.
faisons la réalisation, nous construisons le bâtiment, nous construisons et puis nous faisons aussi le suivi et contrôle des travaux. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir déjà leur marché, travailler ailleurs. Ils ont besoin de notre expertise pour les travaux soient faits dans des normes techniques et puis respecter les délais et puis du côté du point de vue financier. Là, nous faisons aussi le suivi des contrôles des travaux. Non seulement ça, nous faisons aussi des expertises immobilières. Là, s'agissant de quand vous voulez hypothéquer quelque chose, dans des banques souvent, faisant des expertises immobilières. Une équipe qualitative au service du peuple congolais. Les ingénieurs s'occupent de la conception, la réalisation, l'exploitation et la réhabilitation d'ouvrages de construction et d'infrastructures dont tu assures la gestion afin de répondre aux besoins de la société tout en assurant la sécurité du public et la protection de l'environnement. Nous sommes un groupe de gens, un groupe de... des ingénieurs, des architectes, des gens experts dans notre domaine. Et vraiment, nous faisons dans tout professionnalisme, tout ce que nous faisons comme travail. Et là, je fais l'appel à toute personne qui peut venir nous solliciter s'il veut construire sa maison en respectant les normes et les règles d'art d'ici à Mela pour vous aider en termes de qualité, en termes de coûts. BCM Consulting, qui travaille selon les normes internationales en assurant un accompagnement soutenu, est situé à Kinshasa, sur 8e rue à proximité du ministère Amen, dans la municipalité de Limete. Pour tout contact, appelez au 09 72 73 48 47. Notre adresse email c'est secrétariat BCM Consulting. gmail.com. BCM Consulting, c'est la référence, la qualité et la différence. Atulanti Bongo, BCM Consulting. Musala Oyo, Musala Kamika, un peu quoi expliquer Bissot. BCM Consulting. Et là, c'est non in. Oui, BCM Consulting, c'est une entreprise de construction. BOANA, c'est building, et c'est en anglais. C'est bâtiment. COANA, tout défini en haut, le collabor, contrôle. Et puis, na, on est à la mesurage. Okay. Oui, on veut faire quelque chose, et on te lobby. Pour résoudre le problème lié à l'environnement, on veut faire quelque chose avec la précision. Dans le domaine, il faut apporter un touche, il y a 6 cas, et résoudre le problème lié à l'environnement. Dans Kinshasa, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des études, où ça m'a raté au préalable. Okay. Il y a vraiment quoi apporter quelque chose dans le domaine. On a un tonga. On s'est rassuré que c'est là qu'on va étudier le sol, c'est là qu'on va étudier le calcul, la structure, c'est là qu'on va bloquer bien, on va investir, tout ça on laisse que le bâtiment va tenir pendant plus longtemps que possible. L'idée à quoi ça l'entreprise et la construction, où est-ce que tu es là? Non, l'idée est quelque chose, un peu inné, nous bouteux tous dans le domaine où on a et puis on a vécu par rapport à Batumisu Soutonam, on a vu ce qu'ils ont fait, on a eu à travailler dans des grands projets dans ces pays, ça y va projet miné n'est vraiment, il s'est fait que par rapport à Nango, nous étions un peu limités, on voyait des problématiques, tout le monde au monde a pas problème, n'a pas partout tout le monde au Kenya, on s'est dit ce qui peut lobby, puisque tu as la chance d'apporter quelque chose dans Mboka, tu as un sens nini. Donc, c'est dans ce sens-là, par rapport aux réalités que nous avons vues dans les différents projets que tu as là, qui sont ailleurs, là où nous étions consultants ou employés. Okay. Ailleurs. Depuis quand l'entreprise BCM Consulting est vraie? Oui, tu as déjà, depuis 2018, tu as une personnalité juridique. Ok. À partir de 2018, tu as déjà malé, mais
qu'on s'en a rappelé déjà, parce qu'on était d'abord des libérales, mais qui n'étaient pas reconnus comme personne morale. Okay. Maintenant, on a voulu, tout comme Samakambouango, vraiment en sérieux, quoi. Mm-hmm. Et à partir de 2018, nous avons une personnalité juridique, Nabiso. Donc 2018, 2023, c'est déjà 5 ans. Ok, Papa Junior Israël Kalala, on a 5 ans. Moussala Nabissi et Mizouta Moulende et Nini. Aujourd'hui, déjà, tant qu'on a réalisé beaucoup de choses, on a déjà un peu de temps qui était 5 ans. Et quoi était? Oui, oui, dans 5 ans, c'est fait qu'on a déjà fait beaucoup de choses. Et on a aussi à calculer d'autres chantiers. Ozaki a bisauté, tu vas solliciter, bisauga réétude, tout ça, et puis ça tenue. Bisomoropé, on a eu à réaliser plusieurs autres marchés. Petit à petit, on évolue, hein, on évolue avec le moyen de bord. Non seulement on va marcher, nous on fait beaucoup plus les études. Comme je l'ai dit, c'est un groupe des ingénieurs. Nous, la réalité, la réalisation, on le fait, mais plus nous voulons nous vraiment baser dans des études. Dans des études comme Toloba, qui on a l'habitude au Salaka, mais la réalisation, on le fait aussi. Quel genre de travail vous offrez à vos clients? Ok. Plus le travail que nous offrons à nos clients, exactement. Quand nous avons constaté qu'il y a des choses qui se passent dans ces pays, même des expatriés qui viennent construire dans Mboganabiso, Batongaka, Bazana va étudier. Ils viennent directement, ils commencent avec des engins. Il y a pas, si, il faut au suivre Bango, Bazana va vivre au côté, qu'ils ont fait des calculs, tout. Et nous avons voulu commencer par apporter un touche dans le côté du domaine routier, du domaine anti-érosif, pour apporter quelque chose à l'étude topographique. Dans l'étude topographique, nous avons un matériel approprié pour faire ces études. Nous avons un matériel à topographie, un GPS différentiel, une station totale, et nous produisons des études de qualité. Ce qu'il faut entretenir en érosion, en roboé, qualité contre un mot, nous offrons ces études. Et même l'étude, il y a des travaux routiers. Aujourd'hui, tout le monde en Kinshasa, ça fait très mal. Au moins, il va se tomber là. Mais le bio, il y a des. Tu te dis, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'étude est ça, la maginamote. Et nous, c'est notre vraiment apport, nous devons apporter dans le domaine. Et dans le domaine, il y a la construction, plus, dans l'étude, il y a une étude géotechnique. Il y a une étude de calcul de la structure. À part en dehors, il y a une étude architecturale, un dessin que tout le monde fait là. Des études importantes, vraiment, ça étude. Aux autres, on a évité ce qui est caché sous le sol. Parce que, il y a un peu de pango, et il y a un peu de mabélé. Mais là, vous en avez assez évité. Peut-être les années passées, il y a une poubelle dans le pango. Peut-être qu'il y a une érosion, il y a une épave, en tout cas. Parce qu'on a coûté un an déjà à Rigini. On a dit non, il faut faire un sondage. Pendant qu'on faisait la pénétration, la biso, dans l'appareil, on a un pénétromètre dynamique. On a constaté que la vie des Alekas a quitté. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tant que tu as fait un peu de temps, on a constaté qu'il y avait deux épaves de véhicules. Maintenant, tu nous dis, ce qui n'a pas directement dans mon imabélé, dans le bandit que tu as, comme de, on te soit un maçon, tu as un ndaku, un ingénieur, tu as un racheur. Maçon, il y a un bandit que tu as, après lobby, ndaku wana, tu comprends, ils ont un camion, il y a un kala, et koufa. Lobby, a eu poids, il y a un bâtiment, à sa fessée, ndaku a battu quoi. Na maçon bon été à Kokima na mukolo ndako awangani ndako nae parce que il va na minute on a faut engager ba dommage a futa ba tu ba kufi l'état landais poursuivre tu vois et non seulement ça ben tu dois ne pas mettre à biso tout calculer tout dimensionner structure ko dimensionner structure ko eba poids ya ndako oyo il faut vendre na mabélé. Et pour ma belle, par rapport à ma belle, il faut pour tel ne faire vendre dans la quoi. Donc, vous avez été un balamon comme tout le monde a été ici, tout le monde a en haut. Vous allez les calculs pour ton niveau, mon corps, à Monique, à Zaka, à Nambongo.
hein, à couler déjà dans la monique à Zakara Nambongo, à Yesusu, ingénieur, est-ce que tu as accès à Moussousouté? Non, nous sommes là qui bongo to calculer qui est un niveau moko. Donc, ce que nous avons besoin de ça, ce sont des choses qui se font à Kinshasa. Au moment où vous allez prouver ça à deux niveaux, après un temps, pour Ematakaka, vous posez des questions. La fondation, tout le monde est là, ils ont été prévus à la boue. Et après, lobby, tout le monde est environnement au bazar en à côté. S'il y a un dégât, nous allons s'écouler. Tout combien va perdre vie mon, combien va perdre vie. Maintenant, c'est ça de raison. On s'est dit, peut-être que vous avez raté. Que rotonganda ku ya de préalable oku ko lokano batumoko basaleli oka ba calcul tellement ba ke ben ingénieur ba za racher basaleli oba calcul basaleli oba étude aux yeux okeyi oki ko exécuter peut-être na bato yo monique ba ko côté au moins mais peut-être tu viens nous consulter maintenant là auto bengiango compte to bengiango sewa na contrôle tu peux nous venir nous consulter d'un moment à l'autre koyaka ko ça la suivi nango est-ce que réellement bazo respecter étude au Isala qui est prévu pour la zone noire. C'est ça vraiment plus notre rapport dans le domaine noir. Merci beaucoup à Israël. Je suis dit vraiment que la BCM Consulting, on sale les autres et puis bozo au pays sabato, aux qualités, à Banda Kouyamalam, on va calculer ce qui n'a pas une fondation à niveau mort, qu'on a un niveau mort. Si on a une fondation étagité, on a une étude à Mabélé avant la Kotomanda. Quelles sont les difficultés que beaucoup de gens ont pour Banda, BCM et Banditi, toutes les difficultés que beaucoup de gens ont dans le terrain, dans le chantier? Bon, la difficulté est un peu énorme, surtout le pays. Plus naba maître d'ouvrage comme ba libéral quelqu'un qui vient vous consulter et ça plus lié à wana mona mutu ayé déjà na position nae ngana lingé za la kabwe. Maintenant yo on se pose des questions comment des gens ba comprennent ka valeur ya msala na bisoté et ça le ko ke pa médecin ou ça médecin a lingé o pesa nga kaka kinine. Maintenant, ça lié examen à maladie, à malade, aux obé, la comprendre que fois plus ce soit artémétaire ou quoi, yo y a un kisinayo. Et pour ce boyo, quand il était à point où on a, à obé, bon, si c'est comme ça, je vais prendre d'autres personnes. A zupe batoum soussou. Et tant que je suis à ça la selon yé, mais il n'est pas du tout professionnel. Et puis, on engage n'importe qui dans les travaux de la ville à Kinshasa, n'importe qui construise. N'importe qui construit. Maintenant, marchand, comment un peu moi, bah, coco, soit belé. Et, ma marché, bah, difficulté, tout en plus, dans le marché public, exact. On a un marché, on a des gré à gré. Et, dans le marché public, on a des difficultés plus du point de vue financier. Du point de vue technique, vous réunissez toutes les conditions et vous réunissez les documents du point de vue administratif, mais du point de vue financier. Ce qui me dérange souvent, c'est que on nous oblige la garantie des soumissions. Or, la garantie des soumissions, pour moi, c'est que je trouve que vraiment faut obliger Moutouza à garantir des bonnes exécutions. Garantie des soumissions, c'est que na ligne na zo marché. Le lot na marché à 145 territoires, na mboka. Nga na moni ke na za capable de répondre na ngokuto nga ba bloku no soit bien. Administrativement, les documents ba segni na za na ngo. Techniquement, je peux présenter offre na ngai pe na gani na ngai. Maintenant, les conditions du point de vue financier. Nous sommes de nouvelles entreprises à Sikao et Zoban. Maintenant, tant que vous exigez, avant de soumettre offre na ngai, il faut appeler ça garantie des soumissions. Donc, nazo kotisa offre, na kotisipe na garantie banque ape singa, garantie moko peut-être 5% marché. 5% marché, j'ai un marché que je dois soumissionner à 1 million. De dollars. Maintenant, les 10% c'est 100 000, donc 5% c'est 50 000 dollars. Faut na zoana qui nous tient en caution à la banque pour que nous avons lettre à la banque qui a garantie, na coûte ça on a offre. Ce que les athées ont été déclassés. Ça m'a fait très mal. Na offre vraiment que je venais de rater tout bien. Puis na autant à même peu combo y a organisation en haut, y a un bon à la biswa. J'étais l'entreprise au hasard qui n'a présenté qui offre. Technique très bien. Maintenant, du point de vue garantie, banque a eu un retard.
na banque, non, j'ai introduit la lettre, et lettre, il fallait y a après, na zela 48 heures pour que na soit garantie, et je devrais faire de prêt, na koti ça pour que na soit ngo, na koti ça na offre. Et na offre na nga na koti si même lettre ya ko, na ni garantie, et oui, qu'on suivrait même dans 2 ou 48 heures. Administrativement, techniquement, j'étais le premier. Mais, bah, au tine na nga lettre ya ko, on m'a été déclassé. Pourquoi? Parce que garantie a quitté et pour nous avons le droit à recouvrir sa lettre à me sauter après garantie. Ça m'a fait très mal. Je me suis dit, on ne peut pas déclasser une entreprise par rapport à la garantie à soumission. Parce que si l'entreprise a gagné, bah, critère nuance tout, et pendant qu'il veut exécuter un projet, vous pouvez l'obliger. Vous lui faites signer un contrat, il y a quand même la garantie de bonne exécution qui nous dit que pendant que vous êtes Tonga, que X et ça gardé la banque. Là, ce sont des histoires qui doivent se passer dans l'entreprise où tu as amiqué, tu as potana ou dans bon la biso et ils ont pesa biso penza, ils ont son biso té. Et ça la biso passe si le chef de l'État en a besoin, il y a quoi que son la jeunes entrepreneurs, mais nous arrivons pas à accéder dans le marché pour na kaka les points de vue liés aux garanties financières. Donc, c'est un élément qui va réviser un peu. Batala, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Ce qui te aura facilité. Facilité, il y a au coût, ça offre sans garantie des soumissions. Offre, il y a eu retenu. Maintenant, tu peux, avec ta lettre et ta contrat, il y a gagné, à n'importe quelle banque, peut te faciliter. Il y a eu garantie des bonnes exécutions. Là, ça peut nous aider à évoluer dans le domaine. Donc, ça a vraiment des difficultés qui nous fait vraiment mal. Presque tous les jeunes entrepreneurs de tourner à Kawan. On n'arrive pas à évoluer. On a sur le gouvernement, puis Bazar Rolanda, souci à la jeune entrepreneur, qui est en gros, on a sur prochainement. Et donc, bon, on a beaucoup peut-être que c'est répété, il faut souhaiter beaucoup payer, ça paye la jeune entrepreneur chance. Et pour y que vrai bala qui s'appelle la capacité na bango ya ko tonga na mboka au lieu ko zwaka ka ba paya ba ko sai na biso ba bilo mo ba sali après une année deux ans bo moni que non ba prince na ba mi le bokani na vraiment te bi na musala nyoso ba difficulté za la ka ba bisengo pe za la ka si ko quels sont les bienfaits ya musala o bando banda na 2018 si na moya le lune entreprise na moya bisien le bienfait Isaac. Bon, c'est le fait déjà de travailler comme une entreprise, ça a déjà quelque chose de bien. Tu es libre, tu es tenté d'exercer, ou ils ont vision à eux, et puis être accompagné avec beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est que, et ça, la rabisso est saine, ils ont que dans l'institution, la rabisso, dans l'INBTP aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise où ils recrutent à car. Ils ont des sources gènes, ils ont des sources quand même, ils ont moins de chance, ils ont dans 6 classes. Na bandi pe mo musala mbala moko mais lelo o mona bandi ko na biso ba aussi li sa classe bazo bima vraiment il faut encore baza la recycler et maintenant entreprise na biso son na biso ko mettre un peu à niveau ba jeune wana ba aussi sa classe tozara na ba modi la formation tant au big consulting wana na consulting to ça il sera ba formation wana il y a de jeunes qui viennent. Donc déjà, je ne sais pas si c'est grâce à la formation que le lobby peut agir quelque part. Et ça, c'est déjà un sengo. Et autrement, tant que tu participes à un projet, pour apporter apport à Bino, pour la finalité, ça fait du bien. Il y a des familles déjà, il y a déjà 4, 5, 6, 10, 10 familles où ils vivent en paix. Na simanabino bazo bonde la penzambe kuna tala pambola place na salaka donc c'est déjà quelque chose de bien tout le monde a que ce qui nzamba sungina mikozwa liboso on peut aussi à ko aider génération ebelé jeunesse ba famille ebelé ba ça peut ba misala c'est ça l'avantage à ko engager ba entrepreneur congolais et puis local et ça nous facilite à ko travailler na biso moko bana mboka Israël Junior, tout comme il y a Kokende. Na souka émission na biso, BCM Consulting. Et Zakara, souka na Kinshasa, to, si na ba province pe bokota kota, ba bureau Eza, misala pe salamoka. Oui, ba bureau Eza na Kinshasa.
comme on dit, notre agrément au Tozoana ministère et à ITPR est pour toute l'étendue de la République. Et le marché est soumission à la soumission à la marché, nous sommes à la Kananga, à la Wapi, tout marché, tout ce plus. Comme dans le Bara, Nazara Ngolu au Tambo dans la province Ebélé, Yambokao, Nazara connaissance et à la province Mingi, Naebi, ce qu'on a approvisionné en matériaux, de la ligne à Rosoir, à trancher, et ça nous facilite aussi, il y a soumissionné partout. La Monique est encore soumissionnée à Katanga, à soumissionner marché, si ce qui sourire bon que tu gagnes, qu'on a, tu déplaces équipe. To placer partout na plein na lieu ba ko sala musala to za partout na République démocratique du Congo. OK, moi mon ko Israël Junior. Mon message pour na ba téléspectateurs nyonso ou bazo landa yo ou baza peut-être na projet to yo somba lo pango. Toza na posa somba ki mi za na besoin ya potonga. Message ni no kuti ko pesa na ba téléspectateurs na biso. Oui, message za moko, za plus soki olingi ndeko na yo congolais. Lukape azala na kimia azala pe na vie ya malamu. Donc na sens nini yo mto sombi lupango olingo tonga immeuble na yo tala pe susu ba danger ou ko apporter na population o baza ko zinga zinga na yo. Donc soki o ye komisale la makambo en oubliant que il y a de règles, des normes à suivre pour que bâtiment na yo ezala kaka pona yo moko se plan angote pona pe apporter développement na environnement wana il faut oluka olanda ba norme en tozolo ba ko sala ba étude nyonso approfondi pour que avant obanda kotonga ndaku na yo olingo tonga nzela na yo olingo tonga soki nini ko bandaka mbala moko te bandika ka uyi na banje na mbongo na ngai na za na banje na ngai la somi mabanga na che awa busala boy non bolanda ba norme ko sala ke lobi mboka na biso to tonga banda kwa kitoko to tonga banzela bien et puis environnement est bongi to zala te le lot zo constater mboka zo tonga ma mais ba problème des ya makasi ya environnement ya assainissement. Donc wana nde photo luka to tenir vraiment rigueur nango lobi et donc mon insulté par ma cambouille kenda kumoko kwa ki place telle et lo mo bo bat ba kufa ki place telle pour na boye. Donc c'est vraiment ça na osenga et pa ya batu nyonso. Merci mon avocat Junior kala na tokomi mo na suka émission na biso na invité soki oza na mot de la fin ya koloba. Oui, mot de la fin eza ke BCM eza entreprise na biso ya bana mboka tozana posa ko vrai na mboka na biso. Donc on a pour ça quoi apporter un plus na haut au monde na mboka na biso sur le point de vue qualité, sur le point de vue technique, excellence, d'apporter même des solutions, des études, des sécurités plus na mboka na biso tozawana. Nous sommes un groupe, il y a des experts, nous sommes de jeunes au biso tozo coordonné. Notre adresse est Ali Tozan à 8e rue limitée industrielle sur Petit Boulevard. Numéro n'a plus 09 72 73 48 47. Donc, dans le numéro, on a ça au contact Tébisso, Air News Tour, Rosa Lozan à Poto, au lobby qu'on a besoin de tomber dans le Congo. Pour qu'on a tomber dans le Congo, il faut aller à la place où on a sécurisé. On a place où on a la place bien. Bisous aux alliés avec notre adresse, vous pouvez nous contacter directement. Ils ont un numéro WhatsApp aussi, vous pouvez nous écrire directement des choses que vous connaissez bien. À bas jours à venir, ceux qui bougent, porte la bisous est vraiment ouverte. Ce porte la bisous bouillée, ça la bisous bien. Et on les appose à la bisous. Merci à moi en boucle à Israël Junior Kalala, entrepreneur. DG et à BCM Consulting. Tout comme il y a une super émission de Monsieur Mokoelelo, mais avant on a beaucoup à voir. On a tout singa na bande de couleurs. J'ai bâti la biseau sous image à BCM pour la bande de couleurs. Besoin qui biseau na retard. Bye bye pour Landa. Na moi synthèse à BCM Consulting. Nous salanini basala.
un bureau d'études modernes spécialisé dans les domaines des génies civils, dans les études topographiques et la conception architecturale qui va de la conception des projets jusqu'à leur réalisation. BCM Consulting, c'est la qualité assurée grâce surtout aux capacités avérées de son manager Israël Junior Kalala, un jeune entrepreneur congolais de renom. Celui-ci met en outre son expertise dans la réalisation et dans la correction des projets, une expertise sans faille dans les secteurs immobiliers. Nous sommes une entreprise de construction et un bureau d'études. Chez nous, nous commençons par la conception de projet jusqu'à la réalisation complète et à la remise de l'ouvrage. La conception, nous faisons presque plusieurs études qui sont liées dans les domaines des génies civils. Nous commençons par les études géotechniques. Ce sont des études qui permettent à déterminer la capacité portante du sol pour arriver à stabiliser l'ouvrage, le bâtiment qu'on va construire. Nous faisons aussi des études topographiques qui permettent de faire des études routières, des études d'aménagement et plusieurs sortes d'études. Et aussi, nous faisons la conception architecturale. Là, nous faisons des plans, des designs de maisons, de bâtiments. Et nous ne nous limitons pas là seulement, nous continuons aussi à faire la réalisation. Nous faisons la réalisation, nous construisons des bâtiments, nous construisons et puis nous faisons aussi la des suivis et contrôle des travaux. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir déjà leur marché, travailler ailleurs. Ils ont besoin de notre expertise pour les travaux soient faits dans des normes techniques et puis respecter les délais et puis du côté du point de vue financier. Là, nous faisons aussi le suivi des contrôles des travaux. Non seulement ça, nous faisons aussi des expertises immobilières. Là, s'agissant de quand vous voulez hypothéquer quelque chose, dans des banques souvent, faisant des expertises immobilières. Une équipe qualitative au service du peuple congolais. Les ingénieurs s'occupent de la conception, la réalisation, l'exploitation et la réhabilitation d'ouvrages de construction et d'infrastructures dont ils assurent la gestion afin de répondre aux besoins de la société tout en assurant la sécurité du public et la protection de l'environnement. Nous sommes un groupe de gens, un groupe de des ingénieurs, des architectes, des gens experts dans notre domaine. Et vraiment, nous faisons dans tout professionnalisme, tout ce que nous faisons comme travail. Et là, je fais l'appel à toute personne qui peut venir nous solliciter s'il veut construire sa maison en respectant les normes et les règles d'art. BCM est là pour vous aider en termes de qualité, en termes de coûts. BCM Consulting, qui travaille selon les normes internationales en assurant un accompagnement soutenu, est situé à Kinshasa, sur 8e rue à proximité du ministère Amen, dans la municipalité de Limete. Pour tout contact, appelez au 09 72 73 48 47. Notre adresse email c'est secrétariat BCM Consulting. gmail.com. BCM Consulting, c'est la référence, la qualité et la différence.